All power to the people. 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 Solution! Arrêtez le massacre! Arrêtez le massacre! Arrêtez le massacre! Arrêtez le massacre! Depuis de longues années et pas du tout depuis aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler de là-bas, je vais vous parler d'ici. Alors, arrestation abusive, discrimination, mauvais traitement, comment que nous, on ne va pas faire le lien avec ce qui se passe en Birmanie et ce qui se passe ici. Seule notre existence politique peut faire que nous soutenons des peuples opprimés. Notre inexistence ici, politique, fait qu'aujourd'hui, on peut massacrer les musulmans un peu partout dans le monde. Il n'y a pas de raison à ce que si on peut nous massacrer ici, on ne puisse pas le faire ailleurs. Donc notre premier objectif à nous, comme le dit le frère, c'est de s'organiser ici. Ici, face à qui? En premier lieu, mes frères et mes sœurs, face à la police. Face à la police, mais entendez-moi bien, justement, c'est pas ça que je veux dire. Pas face à la police, en tant qu'individu, en tant que personne. Et quand on parle de racisme, on s'attaque pas à des individus ou à des personnes. On s'attaque bien évidemment aux structures de l'État. Quand on parle de racisme, on parle pas de notre voisin qui est raciste ou de notre commerçant qui n'aime pas les Arabes ou qui n'aime pas les Noirs. On s'attaque bien évidemment au racisme structurel, au racisme d'État. Donc quand je dénonce le racisme de la police, et ça c'est pas un secret, c'est pas un ressenti, c'est des preuves scientifiques aujourd'hui. Il y a des Noirs et des Arabes. Et c'est pas parce qu'il y a des Noirs et des Arabes au sein de la police que la police n'est plus raciste. La police d'être raciste, au corps enseignant d'être raciste, au monde de l'emploi en général d'être raciste. Et quand je dis raciste, pour revenir à la situation des Rohingyas, c'est bien évidemment la question prioritaire de l'islamophobie. L'islamophobie, ici en Belgique, devrait faire que nous, la communauté musulmane, et dans l'idéal, ce n'est pas la communauté musulmane qui doit se mobiliser contre l'islamophobie, c'est tous les citoyens belges qui doivent se mobiliser contre l'islamophobie. Bravo. Mais bien évidemment, on ne va pas faire plaisir aux gens en disant qu'il n'y a que des musulmans dans la manifestation pour les Rohingyas, alors les musulmans devraient faire en sorte que d'autres se mobilisent. Non ! Ce n'est pas la faute des musulmans s'il n'y a pas d'autres musulmans. C'est la vérité, c'est parce qu'il y a un je m'en foutisme. Donc le boulot des musulmans, c'est déjà de s'organiser pour eux. Oui. Et comme pour eux, c'est une question de justice et de dignité, les autres vont rejoindre. Et si les autres ne rejoignent pas, c'est que la question de la justice ne les intéresse pas et que la question de votre dignité, de notre dignité, les intéresse alors pas du tout. Alors pour ne pas m'éterniser, qu'est-ce qu'on peut faire ici, en Belgique, pour soutenir les Rohingyas? On peut interpeller notre ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, ouais, lui-même aussi a décerné. Didier Reynders qui lui-même a décerné il y a quelques années un prix à juste titre, disons-le, à cette époque-là. Les maisons communales qui se sont mobilisées à ce moment-là pour la justice et la dignité d'une femme en prison pour l'injustice, c'était à juste titre. Alors aujourd'hui, on demande à monsieur Didier Reynders de se mobiliser à juste titre pour la population musulmane rohingyas qui est victime d'un génocide. Nous, les musulmans, prioritairement, on doit l'interpeller sur ce point-là. Il y a un deuxième point, il y a la question de la commune de Woluwe. Mais il y a une cinquantaine de communes dans ce pays qui ont fait que Aung San Suu Kyi, Aung San Suu Kyi, pas Aung San Suu Kyi, Aung San Suu Kyi, Aung San Suu Kyi, qui tue, c'est ça, Aung San Suu Kyi est citoyenne d'honneur de plusieurs communes dans ce pays. Alors chacun de nous-mêmes, on peut se renseigner, de voir si notre commune, je sais qu'il n'y en a pas de nombreuses bruxelloises, néanmoins, il y a des bruxelloises, qu'on s'organise en comité, dans nos quartiers, dans nos communes, dans notre ville, pour retirer ce prix
deux citoyennes d'honneur à Aung San Suu Kyi. Ça ne fera pas que le génocide s'arrête, mais en tout cas, ça entachera l'image de la Birmanie et ça obligera de nouveau Didier Reynders à rompre les relations diplomatiques avec cet État aujourd'hui qui est criminel, génocidaire. Encore une autre piste pour agir. Il y a de nombreux étudiants et de nombreuses étudiantes, alhamdoulilah, dans nos universités. Sachez que Aung San Suu Kyi est docteur honoris causa à l'UCL. Alors on appelle les étudiants et les étudiantes de l'UCL à se mobiliser pour que l'UCL prenne une position officielle pour nous dire qu'est-ce qu'elle pense de la situation en Birmanie et qu'est-ce qu'elle pense de l'attribution de ce prix de docteur honoris causa à Aung San Suu Kyi. Voilà, je ne vais pas l'éterniser. Merci de m'avoir donné la parole. Tout ce que je voudrais dire, clôturer sur ça, vous le savez, on n'est pas unis. On n'est pas unis et on en pleure tous. On en fait tous notre mea culpa. Mais combien de temps on va se dire qu'on est désunis? Combien de temps on va faire qu'on est désunis? Si au moins on arrête de penser à ce qui nous désunit. Il y a de nombreux points qui nous désunissent et ces points-là, ni vous, ni nous, on va les régler. Et la désunion, aussi, notre problème, c'est de se dire, ouais, nous les musulmans, on est désunis. Quand je suis avec mes frères et sœurs africains, congolais, ils disent la même chose. Ouais, nous les Congolais, on est désunis. Mais c'est normal qu'on est désunis. C'est la force du colonisateur d'avoir fait ça. Diviser pour mieux régner, on le sait tous, et pourtant on laisse que ce soit fait. Alors mettons nos divergences de côté et agissons sur les points qui nous concernent tous. Tous ensemble, unis. Ouais. Aujourd'hui, on doit arrêter Bravo. De se faire manipuler. On doit arrêter de se faire manipuler par des politiciens, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, parce qu'on voit que la question de l'islamophobie, elle est transversale. Elle touche toutes les questions. Aujourd'hui, il est plus qu'urgent pour nous de nous unir, de faire nos cahiers de revendications sur des points prioritaires. Et s'il y a bien un point prioritaire qui est là et qui doit faire que nous ne sommes pas désunis, c'est la question de l'islamophobie. C'est la question de nos mères, de nos sœurs qui sont exclues demain de l'espace public. C'est la question de nos frères. De nos frères aussi dans les communes qui sont peuplés majoritairement de Noirs, d'Arabes et de Roms, d'avoir peur de se faire face à face avec un membre de la police. Ça, c'est une question très urgente. C'est une question qui, pour nous, pendant des années, on s'est dit, ce sont que des voyous, ce sont que des crapules. Et nous, les musulmans, on doit être bien, on doit être digne, on doit être fort, on doit être tout, nous. On a le droit à l'erreur pour rien. Ni de la part des dominants, ni de notre part. Eh bien, parmi nous, il y a aussi des gens qui ont des travers. Et ce n'est pas parce qu'ils ont des travers que c'est normal qu'on les maltraite. Et aujourd'hui, dans nos quartiers, tous nos frères, aujourd'hui, ont peur face à la police. Aujourd'hui, il y a de nombreux frères qui sont dans des incapacités de travail ou dans des problèmes psychologiques. Il y a de nombreuses familles qui se sont vues, mais personne n'en parle. Ouais. C'est lié à la situation des Rohingyas. Quand je vois des forces de police débarquer dans certains quartiers, le long du canal, dans quelques communes, c'est pas dans tout le pays, chez tout et n'importe qui. Non, c'est dans certaines familles musulmanes, tous musulmanes. Il n'y a aucun bouddhiste qui a été perquisitionné. Il n'y a aucun bouddhiste. Il n'y a aucun bouddhiste ou aucun autre que musulman qui a vu des forces de l'ordre ou du désordre rentrer dans son appartement la nuit, tout saccager, terroriser les femmes, les enfants, les menotter, leur mettre des bandeaux sur les yeux, les accuser de terrorisme. Tout ça, vous l'avez tous entendu. Tout ça, peut-être vous avez même des voisins qui l'ont vécu. Et tout ça, il n'y a personne de nous qui en parle. La presse n'en parle pas. Mais ça nous a tellement terrorisés que même nous, on n'en parle pas. Alors maintenant, pour être utile, je finis, pour être utile pour le peuple palestinien, pour le peuple birman, unissons-nous
politiquement. Arrêtons de nous réunir bêtement et de crier qu'on est victime d'injustice. Réunissons-nous, crions bêtement parce qu'il le faut aussi, mais organisons-nous politiquement. Merci les frères, merci les sœurs. Merci.